Yo tout le monde, c'est Nico et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10, oui c'est le 10, normalement, du fermier luxembourgeois. Et aujourd'hui, bah vous voyez, j'ai mis le petit Renault, le petit, une belle taille de gamin, hein. Je l'ai mis à labourer, donc grâce au course play, donc il fait son boulot, voilà, il a commencé, bon, ici c'est parce que, voilà, j'ai commencé hier. Puis il s'est remis en route tout seul, donc enfin j'ai dû le remettre en route. Il a fait ceci, c'est un peu bizarre, mais voilà. Il travaille plutôt bien. Le Renault, du coup, vous avez déjà vu. Et je lui ai mis deux charrues, je lui ai mis une frontale. Visiblement, j'ai mal configuré ça parce qu'il la repasse au même endroit. Et l'arrière qui fait la même taille, ils font toutes les deux 2 mètres. Alors aujourd'hui, eh ben, je ne vous avoue que je ne sais même pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas trop, puisque à la base j'avais prévu de passer la charrue, mais finalement on le fera une fois qu'il aura fini sur le petit champ qu'on avait fait là-haut, où je le ferai moi-même. Donc on fera ça dans un prochain épisode, passer la charrue nous. Mais aujourd'hui, ouais, je pense que ce qu'on va faire, c'est d'abord vérifier s'il n'y a pas un champ d'herbe qui est fini, qui est prêt. Ouais, c'est de là. Parce qu'en fait, je ferai bien des balles avec vous, mais on va se garder ça pour plus tard. Aujourd'hui, voilà, ce qu'on va faire, c'est... J'ai une surprise, en fait, à vous montrer, c'est pour ça que je vous montre pas à côté de la ferme. Aujourd'hui, ce qu'on va faire plutôt, c'est... Allez, on va aller déplacer le compost. Donc, vous voyez que le compost, bah, il est plein, en fait. Donc, voilà, il faut qu'on le déplace. Et pour le déplacer, je ne sais pas comment je vais faire. Il me faut une fois un chargeur, quelque chose comme ça. Mon avis, je crois que je vais partir sur un chargeur de ce genre-là. Parce que si je vais devoir le faire au petit Manitou, je vais pas être sauvé. Je regarde un peu les capacités. 40 litres, 40 litres. Je crois que je vais prendre ceci. Ouais, si je le prends en chariot télescopique, en fait. Je vais faire ça. Du coup, on va aller chercher ceci, puis on va le déplacer. Avec le petit JCB, je vous ai dit que j'avais perdu le petit JD6000 là. Je sais pas si vous vous souvenez, avec lequel on avait fait des balles. Alors, comme de fait, je l'ai recherché, mais je l'ai pas retrouvé. Allez, haute l'herbe ici, c'est moi qui rêve. Donc, je l'ai recherché, je l'ai en effet pas retrouvé. Et donc, du coup, ben, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai acheté un petit Fendt de 300. LSA turbomatique, ou un vieux mode sur la FS17, et voilà, j'espère qu'il fera l'affaire. Alors, le petit bot de chez CSZ, enfin de chez du pack CSZ. Enfin, quand je dis petit, petit, mais il fait une belle taille le gamin quand même. Hein. Ça, il y a quelques litres qui rentrent dedans. Du coup, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fini avec le tas de betteraves. J'ai en effet diminué le... J'étais pas encore sûr dans le dernier épisode, mais si je l'ai fait, j'ai diminué le nombre de vidéos. Parce qu'en fait, je joue beaucoup en ce moment avec des potes. On a ouvert un serveur Minecraft, blablabla. Et donc du coup je suis beaucoup dessus et j'ai moins le temps de jouer à farming. C'est d'ailleurs pour ça que l'autre j'ai mis au course play, parce que passer la charge moi-même, je le sentais pas. Et donc voilà. Si je finirai quand même la série, puisque comme je vous l'ai dit, elle risque de durer un moment, même si j'ai d'autres projets qui arrivent et qui pourraient remplacer du coup l'épisode du mercredi, puisque j'ai choisi le samedi comme jour pour faire l'épisode.
coup, je vais vous montrer, c'est ici, donc j'ai prévu ici le fond. D'ailleurs, on peut le voir, je pense. Vous voyez que ils ont des types cols. Et donc, du coup, j'ai prévu le tas ici au fond. Comme ça, on peut tout foutre ici. Et donc du coup, une fois que tout est là-dedans, le tas peut recommencer à se remplir, à mon avis, vu qu'il est encore en train de produire, il va de nouveau être à 100 000 quand je vais arriver. Ah non, même pas. Du coup, ce petit télescope, franchement, j'étais moyennement convaincu quand il était sorti. Mais plus je le vois, plus je me dis que en fait, il est pas si mal. Je regarde quand même si mes types cols sont pas trop mal faits, pour être sûr que ça parte pas de l'autre côté. J'ai pas l'air d'un con avec tout le compost qui partirait dans l'entrepôt derrière. Même si ce serait facilement récupérable, je pense. Autre que. Bon, ça, c'est juste ce qui est dommage dans ce pack. D'ailleurs, il faudra que je vous montre. Ah bah non. Moi, je vous montrerai dans un épisode bien plus tard. Quand on fera des moissons de blé. Ouais, donc du coup, je disais. Ce qui est juste dommage, c'est le tas en fait. On tape une fois dedans et on a le godet plein, quoi. Et il n'est pas géré comme les autres tas de farming où ils se remplissent au fur et à mesure. Ah, beau petit tas, hein. Beau petit tas. Il va y avoir quelques litres. Et du coup, une fois qu'on aura fini de passer la charrue, on pourra mettre un coup d'épandeur. On variera un peu en fonction du champ. On fera un champ de compost, on fera. Je vais pas dire un champ de fumier parce qu'on n'a pas de fumier. On mettra un champ d'engrais avec la chaux qui est là-haut, avec les pandeurs panien, ou le sol qui, je sais pas encore. Moi je crois que je prends le panier, il est beaucoup plus lourd. Enfin, celui qui est beau aussi, mais voilà. Du coup, on mettra un coup de cet épandeur là. Comme ça, on en refait un peu de tout, je vous aurai montré tout ça. Puis, le coup de déchaumeur et on sèmera du maïs, je pense, d'ailleurs. En parlant de moisson de blé, parce que j'ai parlé de moisson de blé, c'est quoi ici? Si je cache, c'est du soja. Est-ce que j'ai pas un champ de blé qui traîne, celui-là? Pas du blé? Comme ça, je l'achète, en fait, tout de suite. Mais c'est du blé, donc celui-là, je vais le prendre. Comme ça, quand j'accélérerai le temps, je garderai mon blé. Hop, je l'achète. Merci Jean-Michel. Du coup, il faudra moissonner celui-ci. Là-haut, c'est pas du blé, je pense. Un peu plus foncé. Colza. Ok, donc du coup, ce qu'on fera, parce qu'il faudra que j'accélère le temps pour que l'herbe repousse. Attends, au moins qu'elle ait déjà repoussé, en fait. Ouais, pas tout à fait. Elle est en train de. Puisqu'il faudra que ici j'amène du blé. Ouais, blé pour faire de la farine. Et vous voyez, il me produira du compost aussi. Compost qui. Ah, il popera où? Il popera là-dedans. Voilà. Là où il y a déjà un petit tas. Bizarre, il est à zéro. Et je devrais mettre le blé ici. Donc, du coup, quand on fera ça, parce qu'il va nous falloir de la farine pour faire autre chose. Il faudra moissonner le champ, donc du coup voilà, comme ça c'est prêt en fait. Je suis sûr d'avoir le champ. Ok, on retourne à nos activités. Faudra que j'essaie de voir aussi, voir si je peux pas mettre. Parce que, regardez,
je vais vous montrer son cosplay. On peut ici mettre le mode charger, décharger un godet. Mais je ne sais pas comment ça va, donc ça je me renseignerai. J'ai une chaîne YouTube qui fait tout ce genre de tuto. Donc je me renseignerai, j'irai voir s'il n'y a pas un tuto pour ça. Courir 100 minutes là. Ah, il est pas mal. Il est pas mal, pas mal du tout. Toujours 1050, j'ai refait un tour avec aussi pour ramener du 50 qui traîne là, pour ramener de l'essence, puisque j'avais j'ai ramené le plateau qui traînait toujours au champ. J'ai mis le Renault en arrivant au début d'épisode. Puisque j'avais perdu le John Deere 6000, donc j'en ai profité pour ramener le plateau avec le Fen du coup. Moi je vous parle de vieux épisodes comme ça d'un coup. Et donc du coup j'ai refait un tour avec le Fen parce qu'il n'y avait plus d'essence dans la machine et que ça ne fonctionnait plus. Toujours au volant d'ailleurs. Et je vois aussi, j'ai vu que les épisodes commençaient à avoir de plus en plus de vues, tout doucement. Donc, je vous remercie tous, un grand merci. Et sachez d'ailleurs que j'en profite, hein, vous avez tous les liens de la B3M dans la description. Il y a levé le cul ici. Vous avez tous les liens qu'il faut pour retrouver nos modes et tout ça. Et du coup, il y a des modes qui vont bientôt sortir. Dont un que je vous montrerai juste en fin de vidéo. Bon, en vrai, celui qui est en fin de vidéo, il va peut-être pas sortir tout de suite. Hein, parce qu'en fait, il n'y a pas de moi. Moi, j'ai refait la couleur dessus, si je puis dire. Et voilà. J'ai juste refait un petit coup de peinture. Faut que je demande l'autorisation pour vous le mettre en téléchargement, tout ça. Peut-être qu'il refusera à ce moment-là. Il restera privé, j'en suis désolé. Mais en tout cas, sachez qu'on revient avec des nouveaux projets. Et que ça nous est lourd et que voilà. Et tout ça, ça me fait penser que il faut que je fasse la pix. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre comme ça. Je pense c'est pas mal. Ouais, comme ça. Pas trop dégueulasse. Petit coup de. Voilà. Et oui, donc je reviens. Sur ce que je disais, du coup, nous on va refaire des mods et farming. Donc en ce moment, au moment où je tourne, il y a la FarmCon. Donc c'est la conférence de Farming Simulator, là qu'ils font chaque année. Et premier jour de la FarmCon, et ben, ils ont balancé des infos sur Farming 2019. Notamment le fait que on va pouvoir en fait avoir sa cour de ferme qui sera possible d'agrandir en achetant des terrains et tout ça. Donc ça c'est sympa, je trouve, une ferme un peu modulable, en fait on pourra les construire un peu comme on veut. Les tracteurs au fur et à mesure qu'ils s'usent perdront de leur puissance. En fait, ça c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Donc au fur et à mesure qu'ils s'usent perdront de leur puissance. Au fur et à mesure de l'utilisation, ils perdront leur peinture aussi. Donc ça peut être bien comme ça en fait. Au fur et à mesure, on va avoir des véhicules de plus en plus usés. Ça je trouve ça bien. Puisque quand vous regardez le tracteur, bon, ici, techniquement, une fois qu'on a mis un petit coup de karcher dessus, voilà, il n'y a plus rien, quoi. C'est de nouveau tout beau, tout propre. Comme si on venait de l'acheter. Que là, ben, au moins, même avec un coup de karcher, à mon avis, le tracteur restera quand même un peu abîmé, avec un peu de rouille, avec un peu de plein de choses, quoi. Du coup,
Moi, ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais aller vous montrer. Je vais juste mettre le télescope là-haut. Ah, il a fini de produire, tiens, j'avais pas remarqué. Prochaine bord. Du coup, moi je vais vous laisser le télescope ici. Et maintenant je vais courir très très vite pour aller vous montrer à la ferme la petite surprise. Je suis en train de me dire que vous l'avez peut-être vu parce que j'ai fait un plan entre guillemets où on peut la voir. Donc, on va s'approcher. Voilà, vous le voyez, l'arrière. Un lebouche. Voilà, une lebouche. Un lebouche Evolu Pro. Petit épandeur à fumier. Bon, c'est un reskin, voilà, mais j'avais envie de commencer tranquille. C'est un reskin d'un Strautmann qui est sur le mode hub de Kyosho Mod Company, il me semble. Et donc voilà, plutôt sympathique. Moi je l'aime bien. C'est une idée qui m'est venue en voyant certaines photos de Ditch Frabel. Ditch donc de la team Frabel. Et voilà. Voilà. Il est tout beau, tout mignon. On va aller voir où en est le Renault. Qu'il ne soit pas planté. Et puis on va se laisser là. Donc du coup moi j'en profite déjà pour vous dire. De laisser un like si ça vous a plu, de vous abonner si vous voulez suivre la suite de mes aventures, à partager la vidéo, tous les liens sont toujours dans la description, comme d'habitude, donc n'hésitez pas à laisser un petit like, c'était Nico, allez, ciao, bye bye!